à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, on peut parler de ce qu'on veut. On est dans un monde complètement débile où règne l'hypocrisie, la lâcheté, l'indifférence, le laxisme et tout ce que vous voulez, parce que le citoyen ne s'engage pas en politique. C'est là que tout se joue pourtant en politique, la politique. Parce que franchement, quand on a la chance d'avoir des élections où on peut aller voter librement, et qu'il n'y a même pas un Français sur deux, un électeur sur deux qui se déplace, comment voulez-vous qu'un pays se sorte de son marasme si on garde toujours les mêmes? Et là, je vais vous citer mon fameux slogan de l'Observatoire du mensonge. La politique est une poubelle qu'il faudrait vider plus souvent. Et c'est vrai, parce que si on ne le fait pas, qui va le faire? Ce ne sont pas toutes les associations grassement payées pour nous faire rentrer des millions de migrants ici et nous rendre, nous, Français, au stade de sous-citoyens, parce que c'est ce qui est en train d'arriver partout. Il faut le voir. Il n'y a plus de services, il n'y a plus rien. Je vous dis, quand vous êtes franchement Français aujourd'hui, ça craint. J'ai vu, je ne dirais pas où, sans aucune importance, on s'en fout, j'ai vu des choses pas croyables. J'ai assisté à des scènes même pas imaginables, avec des gens qui ne sont pas français, qui ne parlent pas français, etc., qui se parlent dans leur langue de façon à ce que nous, on ne comprenne pas, et qui se conduisent comme des pourritures de première classe, faut le dire. Alors on va me dire, oui, mais ce n'est pas tout le monde, heureusement, tatati, tatata. Eh bien, gardez tout ce baratin pour vous, parce que venez vivre dans certaines petites villes de France où, je vous le dis, à partir d'une certaine heure, on ne sort plus. Je ne vais pas vous donner des noms de villes, je ne vais pas désavantager une ville plutôt qu'une autre, de toute façon, c'est bientôt tout le monde. Donc, ce n'est pas important de donner les noms. Et ce qui est dramatique, c'est que la police n'assure plus rien, la gendarmerie n'assure plus rien. Bon, alors ça, c'est pour des tas de raisons. La première, c'est que la justice ne les soutient pas. La seconde, c'est qu'ils n'ont plus le pognon de dingue, là, eux, ils n'en ont pas. Et la troisième, c'est qu'ils ont certainement des ordres pour éviter de faire leur boulot. Ça, c'est la vérité. C'est une vérité qui dérange, parce que toutes les vérités dérangent. Mais ça n'a pas empêché quand même un président de la République, un premier ministre, de se mêler d'une campagne électorale avec des têtes de liste, avec des partis, et de prendre des positions partisanes, alors que normalement, je rappelle que le président, il est élu, une fois élu, il est le président de tous les Français. Bon, c'est pas grave, on a oublié. Alors, tous ces petits problèmes qu'on connaît, qui sont débiles, c'est franchement, tout ça, c'est débile. Mais on pourrait quand même arrêter avec ce wokisme délirant. Ce progressisme, d'ailleurs c'est la même chose que le wokisme qui consiste à étouffer l'individu. L'idéologie a détruit les cerveaux, faut comprendre. C'est le fameux proverbe que je dis souvent, pourquoi s'en prendre à la flèche quand le tireur est présent? Eh bien non, nous on continue de s'en prendre aux flèches, tranquille. Parce qu'on sait très bien que si on s'en prend à la flèche, il n'y aura pas de vaille. Alors, j'ai entendu l'autre soir, ou l'autre matin, non c'était le matin, j'ai entendu une journaliste qui a interviewé Marion Maréchal. La journaliste s'appelle Sonia De Villers et elle est membre du service dit public, parce qu'il n'est plus public du tout, que nous payons. Donc France Info, qui interviewe la dite Marion Maréchal. Et alors, elle arrive au fameux point Godwin. Vous savez, quand vous n'avez plus rien à dire, paf, vous traitez l'autre de nazi et hop, tout le monde s'en va. Bon, là, elle est mal tombée. Alors, elle lui dit à Marion, quelle différence entre votre vision de la famille et celle de Pétain? Genre, je t'ai coincé, là, t'es foutu, tac, 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 hop, hop. Et la Marion, elle ne s'est pas démontée. Elle lui a répondu déjà qu'elle ne savait pas ce qu'elle faisait là, parce qu'elle avait raison. Mais à un moment, quand elle a vu que l'autre, elle était trop con, excusez-moi d'être vulgaire, mais je n'ai pas trouvé d'autre adjectif, Marion Maréchal, qui n'était donc pas en difficulté, au contraire, lui dit à la Sonia De Villers, écoutez bien, je crois qu'Hitler aimait la confiture de fraises. Vous aimez la confiture de fraises? Vous êtes un peu hitlérienne? Non. L'autre, elle a blémi. Elle était
clac, bing, bing, il n'y avait plus de, il n'y avait plus de journalistes, il n'y avait plus rien. Donc ça prouve bien que si on leur rentre dedans, à tous ces tocards, eh ben, ça fait du bien. Et non seulement ça fait du bien, mais les gens finissent par se rendre compte de ce qui se passe. Parce que quand on dit rien, on dit toujours qui ne dit mot consent. Mais quand on ne consent pas, il faut le dire. Voilà. Et ça, c'est très important. Alors, autre chose, hein, on est dans une histoire là, avec la Russie et l'Ukraine, qui n'est pas notre affaire, je rappelle quand même. Je vois pas pourquoi ça serait notre affaire à nous plus qu'à d'autres. Et qui va nous coûter un pognon de dingue, qui va faire que nous serons en guerre, parce que l'autre, il veut être en guerre tout le temps, hein. Nous sommes en guerre. Avec la pandémie, on a été en guerre, on s'est retrouvé dans un pays quasiment. Là, c'était pétainiste, tiens. Oh, Sonia, tu m'entends? C'était pétainiste, là. Voilà. Cette histoire, donc, n'est pas notre problème. Alors après, j'ai assisté à un autre truc, qui était, alors là, j'étais plié en deux. C'est le fameux Cohen, là, vous savez, le journaliste, toujours sur le service public d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il est bien ce service public pour nous la mettre, hein. Bravo les gars, hein. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il nous annonce, il est face au Premier ministre, la Mini Macron, et il dit, à Mini Macron, il le regarde dans les yeux quand même, attention, hein. C'est du lourd. Il lui dit que la moyenne des allocations chômage en France est à 1090 euros. Quand j'entends ça, je me dis, merde! Oh, je suis vulgaire. Mais ce n'est pas le bon chiffre, ça. Alors, monsieur Cohen, le bon chiffre, je vous le donne parce que ça va vous permettre de vérifier. Il est à 1295. Vous voyez, ça fait un peu plus. Ça fait... Et je donne que le chiffre que j'ai à aujourd'hui, parce que comme par hasard, il y a un gros décalage retard. Moi, il est de juin 2023. C'est-à-dire que peut-être, il a peut-être un petit poil augmenté, mais pas beaucoup, je vous rassure. Donc, c'est presque le montant, je le dis aussi à M. Cohen, c'est presque le montant de la moyenne des retraites. Hein. Alors il faut rappeler quand même une chose, hein, Mr. Cohen, il faut que je vous rappelle, les retraités, qu'est-ce qu'ils ont fait pour être retraités? Ils ont travaillé toute leur vie, d'accord? Ils ont donc fourni de leur vie un maximum pour travailler, d'accord? Et ces gens-là qui ont travaillé toute leur vie, la retraite, c'est pas une obole pour eux. C'est pas un cadeau, c'est rien, c'est un dû. C'est-à-dire qu'on a cotisé, monsieur Cohen, vous savez, on cotise. Et on a beaucoup cotisé pour ces retraites. Et moi, je connais beaucoup de gens, monsieur Cohen, qui sont en dessous des 1000 euros tous les mois et qui sont retraités, qui ont travaillé des 40 ans, 40 ans et plus pour en arriver là. Alors, franchement, hein, les chômeurs, c'est bien gentil, mais. Faut pas tout mélanger, faut arrêter cette propagande de merde qui consiste à opposer l'honnête travailleur, le travailleur, c'était, ça faisait penser à Georges Marchais, ça, et les autres, les affreux capitalistes et tout. Et puis, franchement, il faut dire aussi ce qui gêne les Français, c'est pas que le chômage, monsieur Cohen, c'est l'insécurité. Parce que l'insécurité, c'est le premier problème de la France aujourd'hui. Et ça, vous ne le connaissez pas, évidemment, puisque vous ne voulez pas le voir. Et bien, je vous le dis, c'est le premier problème de la France. Et plus ça va aller, plus ça va être dur de vivre en France. Hein? Le bien vivre ensemble et toutes ces conneries, ça va être le mal vivre ensemble. Parce que là, on y est en plein dedans. Et ça, il faudrait peut-être le dire aussi, faire votre métier. Je rappelle que votre métier, c'est d'informer, pas de déformer. Voilà. Donc ça, c'est important. Et pas de balancer, vous faites tout ça à gauche, j'ai remarqué, des chiffres, parce que vous avez en face des gens qui connaissent que dalle et qui ne vont pas vous le dire parce qu'ils ne savent pas. Ça me rappelle certaines histoires que je ne citerai pas ici. Mais voilà. Alors, on est en pleine déconfiture. Du coup, qu'est-ce qu'il veut le président? Qu'est-ce qu'il veut ou qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va emmener la France dans une guerre qui va être catastrophique sur tous les plans. Parce que d'abord, ce n'est pas notre guerre. Tous ces Ukrainiens qui se sont barrés d'Ukraine, qui sont ici, il n'a qu'à commencer par les renvoyer au front. C'est leur pays. Qu'ils aillent défendre leur pays. Moi, je ne veux pas défendre un pays qui n'est pas le mien. Je m'en fiche de ce pays, franchement. Hein? Surtout que c'est une guerre interne là-bas. C'est presque une guerre civile. Pourquoi j'irais me mêler à ça, moi? Alors. On commence par faire les choses normalement. On prend tous les Ukrainiens en âge de faire la guerre. Il paraît que ça à partir de bientôt, c'est l'âge biberon.
et on les renvoie là-bas, et voilà, puis c'est tout. Comme ça, ils auront un afflux à nouveau de soldats là-bas en Ukraine. Non, non, on prend le pognon dans la poche des Français, on va envoyer les Français au casse-pipe, et c'est ça qu'on appelle une démocratie. Faut arrêter, là. Faut arrêter. C'est plus une démocratie. Hein. On est dans la bananerie, là. Voilà. Bon, j'arrête là, parce que sinon, je vais m'énerver, et c'est pas bon pour la santé. Et comme d'habitude, hein, je vais conclure, on est mal. On est même plus que mal.